Ok. Je crois qu'on est là, on est live maintenant. D'accord. Ok, on va ouvrir en prière. D'accord. Alléluia. Seigneur Dieu Amen. Tout-Puissant, Seigneur, nous merci voulons te pour ta bénir. grâce aujourd'hui. Alléluia. Te bénir pour ce moment précieux que tu nous accordes encore dans ta présence. Alléluia. Nous voulons te recommander ton serviteur et moi-même. Et Amen. tous ceux qui vont suivre, Seigneur, nous suivre en direct durant Alléluia. tout ce moment, nous te les recommandons, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es maître. Bénis Alléluia. ton nom durant ce moment, au Bénis ton nom nom. de Jésus. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, ma sœur, pasteur Blanche, merci, merci de nous joindre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Joseph Belibi, le serviteur du Seigneur. Généralement, j'aime pas les gros titres, parce que je préfère rester un peu comme ça. Et c'est pour ça que ma sœur, j'ai mis serviteur aussi, juste pour que j'aime, je préfère comme ça au moins on est abordable, on est identifiable, on est, les gens peuvent se, ok? C'est pas, mais le Seigneur connaît. Le Seigneur, c'est lui qui nous a oint. Il sait exactement qui on est. Et, mais pour le besoin de nos des fidèles, des brebis, on est comme ça. Alors, je te remercie. Moi, je suis à Manchester. Et Pasteur Blanche, tu es à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Pointe-Noire. Wow! C'est comment le climat là-bas, ça va? Ça va très bien. On rentre en saison sèche actuellement. Ouais. Ici, il fait un peu. Hier, il faisait très chaud. Aujourd'hui, il fait un peu froid. Mais ça va, quoi. C'est la vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu pour le bien de ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont nous suivre. Je veux qu'on en parle un peu du Saint-Esprit. C'est, pour moi, c'est un sujet que ce n'est pas facile. On ne peut pas le finir en une heure, ça c'est sûr. Parce que D'accord. nous sommes en train de parler du Créateur. Nous sommes en train de parler des choses profondes, des choses spirituelle et profonde. Alors, la plupart de mes mouvements, quand je bouge, il y a beaucoup d'églises, il y a les églises anglicanes, les églises catholiques, il y a beaucoup de genres d'églises. Alors, parfois, je rencontre certaines personnes qui me disent que, eux, leur maison, ils sont chrétiens dans la maison et tout le monde est né chrétien dans la maison. Alors, je me demande, qu'est-ce que, en tant que sœur en Christ, en tant que sœur remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous allez dire à une personne comme ça, un frère, une sœur qui croit qu'ils sont nés, le fait qu'ils sont nés, que leurs parents sont pasteurs, leurs mamans sont pasteurs, ils sont automatiquement chrétiens. Je dirais que on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien parce que la parole de Dieu nous dit justement dans le livre de Jean, le chapitre 1, et bon, on va prendre le 12e verset, il nous est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu Oui. et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc nous voyons que on ne naît pas chrétien, mais on le devient. On devient chrétien et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que nous devenons chrétiens. Il y a d'autres personnes qui peuvent aller à l'église hein, depuis 20 ans, mais qui ne sont pas réellement chrétiens parce que dans leur cœur, ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Maître et Sauveur. Donc, on peut aller tous les jours à l'église, même depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais sans être réellement des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Maître et Sauveur. Ça c'est vraiment important parce que il y en a d'autres qui vont te dire, et nous, attention, nous sommes en train de parler avec toute la compassion et tout l'amour qui est dans notre Seigneur. Parce qu'il faut qu'on éclarifie il faut qu'on éclaircisse certaines choses comme ça là. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, oh ben je vais à l'église. On leur dit, tu connais Dieu? Si tu dis à quelqu'un, tu connais Dieu?
il dit je vais à l'église. Tu dis tu connais Dieu, il dit je donne, je fais des trucs à l'église quoi. D'autres tu dis tu le connais Dieu, il dit non, je vais dans les campagnes évangéliques, mais ils ne te disent pas vraiment quoi. C'est comme s'il n'y a pas cette relation, cette connexion avec le Saint-Esprit qui amène la nouvelle naissance. Et donc, tu me dis qu'il y en a qui peuvent aller dans l'église tout le temps, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Exact. Mais ils ne le savent pas. Justement, ils ne le savent pas parce qu'ils sont convaincus par eux-mêmes qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Donc, ils ne marchent pas avec le Saint-Esprit. C'est ça, en fait, la différence, parce que les gens se disent que je suis rempli de Saint-Esprit parce que je prie tous les jours, donc forcément, j'ai une relation avec Dieu. Non, mais il faut aussi se mettre en conformité avec Dieu pour avoir l'Esprit Saint, parce que l'Esprit peut être là, mais ce n'est pas l'Esprit Saint. Nous avons vu que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu habitait dans Saoul, mais à un moment donné, Dieu s'est retiré de lui, et c'était un mauvais esprit qui a commencé à l'utiliser. Donc, absolument, nous pouvons marcher tous les jours, même faire, il y a certaines personnes, même certains pasteurs aussi, qui font des miracles, mais qui ne sont plus habités par le Saint-Esprit. Non, c'est pas vrai. Et non, essaye un peu de développer à ce niveau-là. Que pasteur, en tant que leader, en tant que chef de, chef de brebis. Mais donc, il y en a qui continuent à fonctionner parce qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Exact. Ils sont approuvés par le Saint-Esprit. Exact. Et la congrégation ne remarque même pas. Et il y en a qui ne savent même pas. Pardon, développe un peu ça. Mais justement, parce que Dieu ne se répond pas de ses dons ni de sa grâce. Oui. Mais Dieu peut se retirer de quelqu'un. Quelqu'un, comme j'ai pris l'exemple de Saoul, justement, Saoul était habité par l'Esprit de Dieu. Il nous a dit qu'au commencement, lorsque l'Esprit est rentré en lui, il prophétisait. Mais à un moment donné, l'Esprit n'était pas là. Mais le don peut continuer à s'exprimer, mais l'Esprit de Dieu n'est plus opérationnel. C'est là, en fait, que beaucoup de gens se trompent parce qu'ils se disent que je fais des miracles, je continue à guérir. Nous savons qu'il y a les dons de Dieu, mais il y a les dons du Saint-Esprit, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même aussi est un don que Dieu donne à l'homme. Parce que c'est ce que Actes nous dit. Actes 10 nous dit que nous recevons le don du Saint-Esprit. Donc, même le Saint-Esprit également est un don que Dieu donne à l'homme. Absolument. Mais Dieu peut retirer, c'est-à-dire que ce don-là dans l'homme peut aussi ne pas s'exprimer parce que ce don vit dans la sainteté, ce don vit dans un corps propre, vit dans un corps saint. C'est pour ça qu'il est dit un esprit saint dans un corps saint. Wow. C'est très important parce que je dis souvent aux gens, vous pouvez prêcher et périr, vous pouvez faire des miracles et périr, parce que Jésus va dire que j'ai reçu, parce à cause vous avez utilisé mon nom, beaucoup de gens sont venus, j'ai glorifié mon nom, mais vous ne venez pas parce que vous n'avez pas eu relation avec moi. Vous avez utilisé mon nom, mais pas mon caractère. Ouais. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans les royaumes des cieux. Wow. Exact. Et Paul dit également que ce n'est pas, non seulement le Seigneur dit « Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux. » Mais Paul dit que après avoir prêché, après avoir accompli au nom de Dieu, lui ne veut pas rater le royaume à cause de ses imperfections, mais lui également, il veut hériter le royaume. Wow. Donc, nous pouvons donc prêcher, faire des miracles au nom de Dieu et rater le royaume. Nous pouvons faire toutes ces choses et ne pas être réellement serviteur de Dieu. Wow. Et ça, c'est très important parce que c'est là où ça appelle au discernement. Mais avant même qu'on aille dans ces détails, j'aimerais qu'on essaye, si tu as eu le temps d'essayer d'expliquer un peu aux brebis, un peu à ceux qui vont nous suivre, si on te demandait un peu, genre,
Tu parlais un peu du Saint-Esprit, qui est là, qui il est, sa personne, l'Esprit de Dieu. Je sais que à Jean chapitre 4, 20, 24, 20, 23, 24, il dit Dieu est esprit. Et il cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Tu peux un peu développer parce qu'il faut qu'ils connaissent la personne du Saint-Esprit. Allez-y. Oui, justement, Dieu est esprit et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. C'est pour ça que, pour moi, le Saint-Esprit, c'est la divinité en elle-même en nous, mais c'est aussi la perfection, la sainteté. C'est la perfection, c'est la sainteté, c'est la pureté, parce qu'il est dit Esprit Saint. Donc, ça veut dire l'esprit qui n'est pas impur, mais l'esprit qui est saint. C'est pour ça que cela nous est illustré un peu dans l'image quand Jésus sort de l'eau, une fois baptisé, la colombe descend et vient habiter là. Parce que c'est qui incarne un corps propre pour l'Esprit de Dieu qui est saint. Donc l'Esprit de Dieu qui est saint vient habiter dans un corps aussi saint. Come on. Alléluia. Je comprends maintenant pourquoi à Isaïe chapitre 6, les séraphins disent... en anglais, ils disent holy, holy, holy. On dit trois fois saint. C'est-à-dire, le corps doit être saint, ton esprit doit être saint, et le Saint-Esprit va habiter dans toi, dans ton corps, tes émotions. Tout doit être saint, pur. Exact, vas-y. Exact. Donc, nous voyons que, je vais juste illustrer quelque chose. Vas-y. Lors du déluge, hein, la parole de Dieu nous dit que Noé avait d'abord fait sortir le corbeau. Qui lui, il est sorti, il faisait maintenant des va-et-vient entre l'arche et l'extérieur. Alors que lorsque Noé a sorti la colombe est partie, ne trouvant pas un lieu où poser la plante de son pied, la colombe est revenue. Or, la colombe ici est représentée par l'Esprit Saint, qui lui, lorsqu'il est sorti la première fois, il n'a pas trouvé de lieu approprié pour lui, parce que le premier homme que nous représentons, le vieil homme en nous, était un lieu impur. Et le Saint-Esprit n'habite pas dans un lieu impur, puisqu'il est dit que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Pour qu'il y ait les manifestations du Saint-Esprit, réellement, il faut que le corps là soit pur. C'est pour ça qu'il est dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et voilà, parce qu'on doit sanctifier l'homme par la parole, car la parole est la vérité. Donc, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, nous voyons que c'est la parole qui sanctifie l'homme, donc le corps, afin que le Saint-Esprit soit manifeste en nous. Amen. Donc, juste pour aider... aux frères et sœurs qui vont nous suivre, qui vont suivre la vidéo, quand tu as dit que... le corbeau? Non, pas le corbeau. Que Paul a dit qu'il ne faut pas que quand il a prêché, que lui-même il soit disqualifié. Qu'il sache que l'écriture, là, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. D'accord. Juste pour qu'il sache ça. Et l'autre, que la parole sanctifie, c'est dans le livre de Saint Jean chapitre 17. Juste pour qu'ils comprennent ça, pour qu'ils sachent qu'on ne parle pas notre opinion, on parle la parole de Dieu. Alléluia. Exact. Et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est très important. Vraiment, ça, c'est très essentiel qu'on comprenne ça. Donc, parce que si, je crois en Romains 8, verset 9, ça dit que si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Exact. Ouais? Donc, c'est très important qu'on en parle. En fait, je disais à quelqu'un que s'il y a moyen qu'on prêche, qu'on enseigne sur l'Esprit Saint et le caractère jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle, on aura bien fait, on aura mieux fait le travail parce que ce que le Seigneur cherche, je crois, à la fin, c'est savoir si on a ressemblé à Jésus, si on a le caractère de Jésus. Donc, les miracles et tout ça, c'est bien, ça encourage la foi. Les miracles, ça encourage, ça amène, ça démontre la puissance du Seigneur, ça montre les actes du Seigneur, mais tout ça c'est pour t'attirer, pour que tu viennes connaître qui il est, parce que c'est essentiel. Exact. Donc on parlait donc de la personne du Saint-Esprit. Dieu a mentionné qu'il donne les dons, il y a le caractère, il y a encore quelque chose que tu veux ajouter selon la personne, la personnalité du Saint-Esprit.
Oui, mais nous devons savoir également, non seulement donc la personne du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est la divinité en nous. La Donc, divinité, ouais. il a aussi, donc, dans le caractère, c'est comme la perfection. Or, la perfection, c'est la nature de la divinité elle-même. Or, la nature divine est différente de la nature terrestre, de la nature de la chair. C'est pour ça que nous voyons cela également. Justement dans Galates, qui nous parle de Galates nous parle de que l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Ouais, donc ça c'est Galates, juste pour qui ça c'est Galates chapitre 5 verset 16 17 22 à 25 à peu près. Voilà. 22 à 25. Donc là la parole de Dieu nous dit que l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, plutôt à ceux de la chair. Donc nous voyons ici que l'esprit a une nature différente de celle de la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et nous savons également, juste pour énumérer quelques-uns des désirs, il nous est dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la bonté, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est tout ça qui constitue un peu la personnalité et la perfection. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si nous n'avons pas la tempérance, si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas la gaieté, nous n'avons pas la patience, la persévérance, la fidélité, nous ne sommes pas dans la nature de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit ne peut pas être manifeste. Parce que le Saint-Esprit vit au milieu de tout ce que l'homme va faire naître, c'est-à-dire ce sont les fruits que l'Esprit mange. Je vais juste souligner, la parole de Dieu nous parle de l'exemple du figuier, que le figuier stérile, il ne produisait pas de fruits et Dieu voulait le couper. Alors le Seigneur Jésus a intervenu pour pouvoir mettre du fumier tout autour afin que l'année prochaine, ce même figuier puisse produire des fruits. Or, le figuier ici est représenté par l'homme que nous sommes. Lorsque nous ne rentrons pas dans la nature de Dieu, nous ne pouvons pas produire des fruits dignes de Dieu, parce que Dieu ne consomme pas la nourriture qui est faite des mains d'hommes, mais consomme des fruits de l'esprit. Donc, la bénignité, la patience, la persévérance, l'amour, la joie, tout ça font font partie de la nature de Dieu. C'est ça qui différencie Dieu, la nature divine, avec la nature terrestre, puisque absolument. C'est le contraire. Absolument. Et maintenant, quand on revient sur le premier point qu'on parlait, qu'on ne naît pas chrétien, on devient, parce qu'à Jean chapitre 1, verset 12, en Saint Jean chapitre 1, verset 12, on note que ceux qui l'ont reçu, qui ont cru, ils sont devenus enfants de Dieu. Donc maintenant, on voit donc que le Saint-Esprit est vraiment essentiel à la participation de la nouvelle naissance et la participation de changer de caractère. Parce que tu viens de parler, donc du coup, le caractère ancien qu'on avait à Adam, le Saint-Esprit maintenant, comme il est saint, il y a un autre point que tu as mentionné, que notre corps devient le temple. Il faut que les frères et sœurs sachent que c'est à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18-19. Donc, le corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc, maintenant alors, dans tout le travail du Saint-Esprit, en gros, à part qu'il nous montre Jésus-Christ, il nous montre aussi nous-mêmes et nous transforme. Parce que la parole nous dit à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ça dit que nous devenons une nouvelle création. Créature. Une nouvelle créature. Essaye de développer sur ça, maman, s'il te plaît. Oui, justement, nous devenons une nouvelle créature parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'à partir du moment où nous nous dépouillons de l'ancien homme, du vieil homme, nous revêtons le nouveau homme. Or, il nous est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Et
Paul dit, je cours vers le but d'atteindre la perfection. Or, la perfection, ici, c'est le Christ. C'est Christ que nous devons revêtir. Or, il nous est dit également, je crois que c'est Éphésiens 3, verset 27, il nous est dit que nous, vous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes, vous avez revêtu Christ. Or, Christ, ici, sur un plan spirituel, est un vêtement ou un corps spirituel que l'homme doit revêtir afin de pouvoir manifester la perfection, parce que Christ est la perfection même. C'est pour ça que lorsque Paul atteint ce niveau, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que l'ancien Paul n'existe plus, mais le nouveau Paul, qui est le Christ, c'est celui qui est devenu manifeste et au-dessus et au vu de tout le monde. Paul va refléter Christ, hein. Paul va refléter l'image même de Christ, parce qu'il nous a également dit dans Colossiens 3, je crois 15e verset, qu'il est l'image, il est le premier-né de la création, l'image du Dieu invisible. Alléluia. Donc nous voyons qu'il est non seulement le premier-né de toute la création, mais il est également l'image du Dieu invisible que tout homme doit s'efforcer de revêtir. Car Amen. Cette image est l'image de la perfection, image du Saint-Esprit. Amen. Donc, alléluia. J'essaie de décortiquer ça un peu, ok? Exact. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à Adam, Dieu a créé l'homme à son image. Genèse exact. Chapitre 1, verset, je crois, 27. Bon, maintenant, Adam, à travers le péché, Adam et Ève, à travers le péché, l'homme a perdu cette image. Exact. Donc, l'homme a perdu le caractère saint, le caractère exact. Pur que tu parlais exact. À Galates chapitre 5, verset 22. Donc, exact. Maintenant alors, comme tu viens de dire à Colossiens chapitre, je crois, 1, verset 15 ou 16, où ça dit que, du coup, maintenant, Jésus est l'image de ce Dieu qui est invisible. Donc, si exact. Jésus est en toi maintenant, dans la nouvelle création, Amen. Exact. Donc maintenant, cette image est restaurée. Exact. Parce que il y a un verset, dis-moi si c'est vrai, il y a un verset à 1 Colossiens chapitre, comme on a Colossiens, 1 Colossiens chapitre 1, verset 27, ça dit que Jésus en vous, the hope of glory, l'espoir de cette gloire restaurée. Donc, exact. Si Jésus est maintenant dans toi, tu deviens maintenant, cette image maintenant recommence à se former encore une fois. Exact, exact. Comme Dieu avait voulu que ça soit depuis le début. Le commencement, exact, exact. Parce qu'il est non seulement le reflet, mais il est aussi l'empreinte de Dieu. Alléluia, alléluia. Ça c'est essentiel, parce qu'il faut que les gens comprennent que la nouvelle naissance, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un truc. Qu'on parle, c'est une. Essaie de parler de cette réalité de transformation de l'ancienne créature à la nouvelle créature. Alors, voilà, justement, c'est un point important parce que les gens pensent que c'est un slogan. Tout le temps, les gens disent « Je suis une nouvelle créature ». Non, la nouvelle créature, être une nouvelle créature est une démarche, un Alléluia. Processus de renouvellement. On commence à partir de. Comme qui dirait comme tu as dit tout à l'heure, de l'image de Adam que l'homme porte aujourd'hui et vers le nouveau Adam. Parce qu'il nous est dit que c'est 1 Corinthiens 15 à partir de 44 qui nous dit que de la même manière que nous avons porté, qu'il y a le premier Adam et le second Adam, mais de la même manière que nous avons porté l'image du premier Adam, de l'homme terrestre, nous porterons également l'image du second Adam qui est l'homme céleste. Donc, il y a un processus de développement, une démarche. Donc, cette démarche, en un mot, on va dire que c'est le renoncement de soi-même. Parce que Jésus dit, tous ceux qui veulent venir après moi doivent renoncer à eux-mêmes. Donc, ça veut dire que nous devons renoncer à notre ancien homme. Or, notre ancien homme, c'est qui? C'est celui qui est colérique. C'est celui qui est dans la haine, c'est celui qui est dans la jalousie, dans l'envie, dans la convoitise, c'est celui qui est dans la rancœur, c'est celui qui est envieux, celui qui est dans l'impudicité, celui qui est dans la fornication, dans beaucoup de choses. C'est ça, c'est tout ça qui forme la nature du premier homme.
Or, lorsque nous commençons à renoncer à cela, nous commençons notre chemin vers la perfection. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui, parce qu'il est le chemin. Donc, le chemin que nous entendons ici, c'est au renoncement de soi-même, donc du vieil homme qui est l'ancien Adam en nous pour revêtir le nouveau Adam. Car il y a un homme animal et un homme spirituel. Mais le premier n'est pas spirituel, le premier est animal et ensuite vient le spirituel. Absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment important. Je ne sais pas vraiment, pour moi aussi, il nous faut prendre du temps pour essayer de parce que tu vois, on est né naturellement, on nous lave la mémoire, on nous lave la tête, on nous lave le cerveau avec la culture, la tradition, on nous lave la tête avec les choses du monde. Et maintenant, quand tu deviens chrétien, il faut maintenant, le monde est dans ton esprit, le monde est dans ta tête et tu ne sais pas comment faire. Mais Dieu merci, par sa grâce, il nous donne le Saint-Esprit comme comme une promesse, il nous donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit commence à travailler avec nous. Donc, c'est impératif qu'on laisse le Saint-Esprit, qu'on devienne humble pour que le Saint-Esprit travaille en nous dans le processus de transformation. Par exemple, pour ceux qui ont des enfants, un enfant, quand il naît, c'est instantané. Il naît, il y a eu le travail. Après, quand il est né, il a besoin de rester avec les parents. Il a besoin de rester avec sa mère. Il a besoin de rester bien couvert, bien protégé. Et maintenant, qu'est-ce que les parents font? Ils éduquent l'enfant et ça prend parfois le temps d'éduquer les enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait en nous pour qu'on devienne, des vrais représentants. Parce que c'est pas normal qu'on dit qu'on est chrétien, mais on fait certaines choses, comme tu venais de dire tout à l'heure là. Vas-y. Oui, justement. En fait, le Saint-Esprit en nous joue un rôle important. Absolument. Le rôle du Saint-Esprit ici, c'est d'abord enseigner. Voilà. Merci. Ensuite, consoler. Alléluia. Yes. Et aider. Absolument. Vas-y. Et le Saint-Esprit. Vas-y, voilà, continue. Donc, il y a, dans Jean 14, 26, il nous est dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, Amen. Ici, le Saint-Esprit joue le rôle de l'enseignant. Amen. Il enseigne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit enseigne? Le Saint-Esprit enseigne les choses de Dieu, nous apporte la pensée de Dieu, la compréhension de Dieu, nous apporte la perfection pour que nous puissions maintenant quitter le vieil homme, nous dépouiller du vieil homme. Alléluia. Et c'est là que, parce que si le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit nous enseigne. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit vit dans la crainte de faire du mal. Si tu n'es pas dans la crainte de faire du mal, c'est que l'Esprit Saint n'est pas là, forcément. Parce que l'Esprit Saint t'enseigne de craindre, de te préserver. Parce que Paul dit que nous devons nous préserver. Donc, il faut que nous puissions nous préserver notre conscience des œuvres mortes. Alors, il faut que nous puissions nous préserver. Mais le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Et le Saint-Esprit est aussi une aide. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide. Alléluia. Dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc, dans notre relation aussi avec Dieu, nous ne savons pas quoi faire et comment nous approcher de Dieu. Amen. Seul l'Esprit peut être une aide pour nous emmener dans la dimension de Dieu, afin que cette communion avec lui soit une communion parfaite. Donc, il nous aide. Amen. Donc, le Saint-Esprit devient une aide pour l'homme.
Amen. Le Saint-Esprit ici est une lumière. C'est pour ça qu'on nous dit que la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Parce que la parole nous aide à nous approcher de Dieu. Parce que lorsque nous voyons, la parole devient comme un miroir qui va nous aider à retirer tout ce qui est mauvais en nous afin que nous rentrons dans le moule qui est le corps de Christ, pour que nous soyons emboîtés avec le Christ. Amen. Et enfin, le Saint-Esprit aussi est consolateur, parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, oui. et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité que le Père ne peut que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et Alléluia. Il sera en vous. Donc Alléluia. Nous voyons ici que l'Esprit de Dieu devient consolateur pour ceux qui le connaissent. Amen. C'est là qu'il faut comprendre. Il dit que le monde ne connaît pas. Donc, le monde ne peut pas connaître l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint n'habite pas dans un monde. Quand je parle déjà du monde ici, c'est d'abord l'être humain lui-même. S'il est impur, s'il est sale, il ne peut pas connaître l'Esprit Saint. Mais s'il est pur, s'il s'est dépouillé de l'ancien homme, il y a la manifestation de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint devient le consolateur de cette âme-là, de cet esprit-là ou de cet homme-là, parce qu'il a gardé sa pureté et l'Esprit Saint devient son soutien, l'Esprit Saint devient son assistant, l'Esprit Saint devient son aide, l'Esprit Saint devient son consolateur et même son enseignant. Amen. Parce qu'il cherche la perfection et l'Esprit Saint. Parce que Paul dit que nous devons aspirer. Oui. C'est ça l'aspiration. Nous devons aspirer à la perfection. Amen. Nous devons courir vers le but d'atteindre la perfection. Paul dit que également que la couronne de gloire, c'est la perfection. C'est ça, en fait, la couronne de gloire, c'est la perfection. Donc, le but de tout homme, c'est de courir vers la perfection. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons amasser les biens terrestres, les maisons, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne vivent que par le matériel. Tout en étant chrétien, absolument. Ils ne croient qu'au matériel. Ils ont tellement élevé ce côté-là, plus que même le Dieu en eux. Wow. Donc, du coup, ils ne cherchent pas la perfection, mais ils cherchent à honorer le corps par tout le matériel. Et ça, c'est mauvais pour nous. Absolument. Absolument. Et ça, c'est, encore une fois, c'est tellement vital de parler du Saint-Esprit. Parce que si vous pouvez résumer en disant ceci, le royaume des cieux, je ne sais pas si tu as une minute, qu'on tourne un peu à Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Ouais. J'aimerais vraiment, parce que ça c'est tellement important, Romains chapitre 14, verset 17. Ça va, parce qu'il faut vraiment qu'on essaye de faire comprendre à nos frères et sœurs, que le royaume des cieux est tellement essentiel, le Saint-Esprit est tellement essentiel qu'il est inclus. Le Saint-Esprit, quand il arrive dans toi, il amène le royaume des cieux. Donc, essaie de nous développer ce verset-là, Romains chapitre 14, verset 17. Parce que vraiment, comme ça, ils vont comprendre l'essentiel, le rôle vital du Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit arrive dans toi, voilà, la justice arrive, là, la exact. Paix, la joie du Seigneur. Il a dit, ma joie, je vous la laisse. Donc, la joie du Seigneur maintenant réside dans toi. Donc, exact. Ça fait que partout où tu vas, tu as maintenant... tu marches sur un autre niveau, quoi. Ton royaume, tu es citoyen dans notre royaume, le royaume des cieux. Maintenant, exact.
c'est autre chose. Ça, ses principes, ça, son caractère, ça, sa façon de marcher dans l'humilité, la façon de marcher dans la joie. Quand tout le monde est en train de trembler, tout le monde a des problèmes, toi, tu es dans la paix, tu es dans la joie. Les gens commencent maintenant à demander, mais mon frère, ma soeur, dis-moi comment tu fais pour survivre. Vas-y, maman. Oui, justement, je pense que le Saint-Esprit fait un grand travail en nous. Parce que dans Jean 16, 8, il nous est dit, parce que le travail aussi que le Saint-Esprit effectue, c'est aussi un travail de convaincre le monde. Absolument. De convaincre le monde, de convaincre quelqu'un. Donc, il nous éduque, il nous enseigne de manière à nous convaincre. Ouais, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, 8, il nous est dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, allez, il convaincra. Donc, c'est ça, en fait, le travail que le Saint-Esprit fait. Donc il doit nous... Vas-y, numéro 1, il convaincra. Vas-y, numéro 1, vas-y. Voilà, il convaincra. Donc, il faut qu'il puisse aider l'homme à comprendre où il, dans la situation où il se trouve. Dans ouais. quelle situation, dans quelle situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme n'est plus en connexion avec Dieu. Absolument. Et l'homme qui parlait autrefois avec Dieu dans le jardin d'Éden, mais aujourd'hui, il ne parle plus de manière face à face avec Dieu à cause du péché. Donc, il faut que le Saint-Esprit fasse ce travail de convaincre notre esprit de quitter le péché qui le retient captif. Parce que Paul dit nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Absolument. Donc, si nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous, qu'est-ce qui a triomphé de nous? C'est le péché. Le péché. Or, le péché ici, c'est tout ce qu'on peut citer, la colère, la haine, la jalousie, l'envie, les impudicités, la magie, les tromperies, les ruses, le mensonge, tout ça, c'est le péché. Parce absolument. Que beaucoup de gens croient qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. C'est ça. Beaucoup de gens croient qu'il y a des petits péchés. C'est comme ici en Afrique, beaucoup de gens pensent que le grand péché ici, c'est la magie et la sorcellerie. Donc, pour eux, c'est seulement ça. Mais ils ne se disent pas que même haïr quelqu'un, c'est un péché. Tromper son mari, c'est un péché. Garder rancœur, c'est un péché. Yes. Envier quelqu'un, c'est un péché. Eux, ils voient que là, seulement la magie et la sorcellerie. Mais tout ça, ce sont des péchés. Et celui qui fait la magie, et celui qui fait, pratique la sorcellerie, et celui qui a la haine pour un autre, hein, c'est aussi un péché. Ça, et celui qui pense du mal des autres. Parce qu'il y a absolument. D'autres, même dans leurs pensées, sont en train de pécher. Ecclésiaste dit que lorsque ne maudit pas le roi sur ta couche, hein, car un oiseau du ciel prend tes pensées et les affiche dans le ciel. Donc, nous voyons même que dans notre pensée, nous péchons. Mais beaucoup de gens pensent que le péché, et très souvent, d'autres pensent que c'est seulement l'autre qui est dans le péché et pas soi-même. Donc, nous condamnons seulement les autres, nous jugeons. Même en jugeant les autres, c'est aussi un péché. Absolument. Parce que un seul qui est juge sur les autres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà un peu déjà donc, pour ce qui est donc, c'était numéro 1. Numéro 2. Vas-y, hein, numéro 2. Alors, donc ici, en ce qui concerne le péché, donc là, j'ai rajouté un peu le convaincre et le ça, péché. Parce que le péché, il faut que nous prenions conscience du péché. Absolument. Parce que si nous n'avons pas conscience du péché, c'est quoi le péché? Pour fuir le péché, il faut avoir conscience du péché. Amen. Parce que si nous n'avons pas... C'est comme quelqu'un qui boit tous les jours. S'il n'est pas conscient que ce boire-là n'est pas bon pour lui, il ne va jamais laisser. Donc, non. Il faut qu'il ait conscience de son péché. Si quelqu'un qui trompe sa femme ou bien une personne qui a 10 000 épouses, il se dit, ah ben je suis en train de faire comme Salomon. Salomon a pris 1 million de femmes. Donc, c'est écrit dans la Bible. Non, il faut qu'on sache que c'est un péché. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une même chair. Il oui. n'a jamais dit que ce serait plusieurs femmes. Non. C'est pas parce que les autres ont commis ces erreurs que nous aussi, nous devons commettre cela. Il Amen. Nous a même dit qu'à la fin, Salomon a fini par être disgracié de Dieu.
croire parce Absolument. qu'il a fait tout ce qui était en erreur de Dieu. Mais les gens continuent dans le même péché. Donc, nous voyons que si on n'a pas conscience du péché, nous ne pouvons pas aussi laisser ce péché-là. Et il est dit qu'il faut que donc nous convainc aussi de la justice de Dieu. Oui. Et effectivement, il y a la justice parce qu'il y a le mystère de la mort, le ministère de la mort, il y a aussi le ministère de la justice qui est incarné par Jésus. Or, le ministère de la mort est incarné par Moïse, d'après 1 ouais. Corinthiens 3, à partir du 7e verset. Il nous est dit qu'il y a le ministère de la justice. Or, il faut également convaincre quelqu'un. Or, la justice dont on parle ici, c'est justement la perfection. La perfection, c'est le juste. Amen. Le juste doit demeurer dans sa justice. Et le but de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais que le méchant se repente et qu'il soit sauvé. Mais que le juste vivra de sa justice. Absolument. C'est pour ça que le juste doit demeurer dans sa justice. Mm-hmm. Quand nous demeurons, parce que le but du mal, c'est de nous écarter de notre justice. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui se disent, moi j'ai fait du bien, mais mon bien a été rendu par le mal, donc aujourd'hui je ne ferai plus du bien. Or là, ce qui veut dire que si nous réagissons comme ça, c'est que le mal a pris de l'ampleur sur nous en nous écartant de notre justice. Uh-huh. Or, quel que soit ce que nous pouvons subir dans notre vie, dans notre parcours, nous devons demeurer dans notre justice, comme l'a fait le Seigneur. Le Seigneur est resté dans son parcours. Il est resté dans la justice. C'est pour ça qu'il est ministre de la justice. Parce que même lorsque les disciples lui ont demandé, Seigneur, veux-tu que nous puissions commander du feu pour consumer ces pharisiens? Il a dit ouais, non. Il a dit non. Parce il a dit qu'il non, voulait non, non, demeurer non. dans sa justice. Il faut que le Saint-Esprit fasse également ce travail de nous convaincre de rester dans notre justice. Yeah. Et le Saint-Esprit doit aussi nous convaincre du jugement. Ouais. Parce que si il ne nous convainc pas de rester dans de fuir le péché et de rester dans la justice, il faut que nous puissions savoir également qu'il y a aussi un jugement. Mm-hmm. Parce que Paul dit que qu'ai-je à faire de ceux de l'extérieur, du dehors, n'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent. Ce qui veut dire que celui qui est à l'intérieur aujourd'hui, qui ne demeure pas dans la justice, sera mise dehors parce qu'il sera condamné. Il ne sera plus quelqu'un du dedans, mais il deviendra quelqu'un de l'extérieur. C'est pour ça que Jésus dit qu'il sera mise dehors et il y aura des grincements dedans. Absolument. Donc, celui qui est dehors, il ne fait plus partie de la nature divine. C'est comme lorsqu'on nous parle de 10 vierges. On nous dit que lorsque l'époux est arrivé, l'époux est rentré à l'intérieur avec 5 les vierges sages et les 5 autres sont restés dehors. Donc, nous voyons qu'il y a un monde extérieur et un monde intérieur, comme l'homme intérieur et l'homme extérieur. Donc, tous ceux qui seront condamnés, c'est ceux qui resteront à l'extérieur parce que l'extérieur passera alors que l'intérieur ne passera pas. C'est comme qui dit l'homme terrestre passera, mais l'homme céleste ne passera pas. Absolument. Et quand on parle de justice, quand on vient de parler du royaume des cieux, qui est dans le Saint-Esprit, et c'est pour ça que quand on aimerait accélérer dessus, on aimerait appuyer dessus, que vraiment la nouvelle naissance qui est dans Dieu, la nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire de la volonté d'un homme. Ce n'est pas une affaire que quelqu'un ne peut pas dire, oh, j'ai envie d'être né de nouveau, j'ai envie d'être né de nouveau. Non. Exact. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Et on a dit ça pour ceux qui veulent nous rejoindre. On a dit ça à Jean chapitre 1, verset 12, que ce n'est pas la volonté d'un homme. 12, 13. Ce n'est ni par la volonté, ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté de l'homme. Ça, c'est dans Jean 1, 13. Absolument. Par la volonté de Dieu. Absolument, c'est la volonté de Dieu. Et maintenant, alors, quand tu es né de nouveau, c'est là maintenant que le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui participe à tout ce travail. Je me rappelle, l'ange était venu dire à Marie que le Saint-Esprit
Jésus sera né par le Saint-Esprit. Il a grandi dans le Saint-Esprit. Quand il s'est baptisé, tu as confirmé, le Saint-Esprit est venu, tu vois, approuvé. Et maintenant, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Il est ressorti dans la puissance du Saint-Esprit pour commencer maintenant le ministère. Il a toujours agi avec le Saint-Esprit. Même à la croix, la Bible dit qu'il est mort. Il a rendu son âme à travers le Saint-Esprit. Il a été ressuscité à travers le Saint-Esprit. Donc pour nous, c'est essentiel que l'enfant de Dieu sache que sans le Saint-Esprit, en fait, je crois qu'il y a quelque part à Éphésiens chapitre 1, ça dit que le Saint-Esprit est la garantie de notre salut. Exact, exact. Donc on ne peut pas, il faut vraiment qu'on essaie d'ouvrir chaque compartiment de notre cœur, de notre corps, que le Saint-Esprit a envie de venir perméer, il a envie d'être en nous, il a envie de nettoyer la maison. Et donc, il devient donc consolateur quand, par exemple, il y a des choses que j'aimais faire avant. Bon, du coup, maintenant, j'ai la peine, parce que là, maintenant, le Saint-Esprit est en train de dire, non, tu dois laisser tomber. Mais du coup, je suis en train de faire, oh non, je veux un peu. Donc, il y a la peine, la transformation, parfois, ce n'est pas facile. Parce qu'on n'a pas envie de lâcher certaines choses qu'on aimait. Ces choses étaient devenues part de nous. Le Saint-Esprit vient et dit non, c'est comme à la table d'opération, on doit couper, ça doit partir. Et essaie de développer, si tu veux. Oui, justement, il est dit, ceux qui s'attachent à la prostituée deviennent un seul corps avec la prostituée. Et ceux qui s'attachent au Seigneur deviennent un seul esprit avec le Seigneur. Donc, Amen. Nous voyons ici que la prostituée, c'est la chair qui est des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et Absolument. Tous ceux qui s'attachent au Seigneur deviennent un seul et même esprit avec le Seigneur. Donc, Amen. Ici, le but, c'est de devenir un esprit, car tout à l'heure, tu l'as dit, ceux qui doivent adorer le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et donc, dans cette démarche, comme je l'ai dit tantôt, c'est de savoir comment renoncer à nous-mêmes, comment quitter ce qui constitue notre être aujourd'hui. Parce que si nous ne sommes pas conscients du péché, nous ne pouvons pas abandonner le péché. Nous ne pouvons pas chercher autre chose. Parce qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, nous allons prendre l'exemple d'Abraham. La parole de Dieu nous dit que Dieu dit à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère, va vers un nouveau pays que je te donnerai en possession. Or, wow. Quitter le pays de ton père et de ta mère ici représente l'ancien nous, la ouais. compréhension que nous avons avant, la nature que nous avons avant vers Amen. Une nouvelle patrie qui est maintenant la patrie de l'esprit. Parce que nous devons vivre maintenant selon l'esprit. Être un seul esprit avec le Seigneur, nous ne devons plus faire un seul corps avec la prostituée. Alléluia. C'est pour ça que dans cette démarche, nous devons fournir les efforts. La parole de Dieu aussi nous dit que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Jean chapitre 6, Jésus l'a dit, exact. Oui. Exact. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Donc, à un moment, et il est dit également, lorsque vous entendez ma voix, non dire, suscitez pas vos cœurs. Donc, nous voyons que si l'homme est attiré, nous ne devons pas endurcir notre cœur. Parce que Jésus dit aussi, je crois que c'est Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai Alléluia. Chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Donc, nous voyons ici que le Seigneur frappe. Hein, oui. Et quand il frappe ici, c'est comme si on reçoit l'appel. Or, beaucoup de gens ne font pas attention à cet appel-là. Parce que l'appel en lui-même nous pousse déjà à changer. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à recevoir mon appel, j'ai commencé à me trouver souillée, sale pour certaines choses. J'ai commencé à me dire, mais attends, je faisais ça, mais je ne peux plus faire. Pourquoi je fais ça? Wow. Donc, parce que j'ai reçu mon appel.
Je prends un exemple, hein, juste pour souligner. Non, c'est bon, vas-y. Je me rappellerai toujours. Ah, c'est le 31 janvier 2002. Parce qu'avant, je fumais et je buvais. Alors, je ne buvais pas beaucoup non plus, mais je prenais un peu de vin, un peu de Baileys, des trucs comme ça. Come on, et tout ça. Ouais. Et puis, un soir, j'étais sortie avec des copines. C'était le 31 janvier 2002. Et ce soir-là, on était au moins 30 femmes. Et toutes ces femmes étaient mariées. Donc, on avait fait une sortie des femmes pour manger, danser un peu et tout ça. Ce soir-là, je me suis retrouvée avec toutes ces femmes qui dansaient, d'autres sur des tables, d'autres machins. Et la seule chose qui me venait à l'esprit à ce moment-là, mais qu'est-ce que je fous là? Alors, je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est ce soir-là que pour moi, j'ai pris ma décision parce que je ressentais l'appel de Dieu. Je ressentais quelque chose. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus, je ne boirai plus, je ne sortirai plus. Et ce soir-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sortie, je ne fume plus, je ne bois plus. Donc, vous voyez, donc depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, ça c'est juste un témoignage en passant, pour aussi fortifier les autres. Parce que ce sont des décisions et nos décisions doivent être radicales. Parce qu'il y a d'autres qui font un peu un pied dedans, un pied dehors. Comme un peu l'ange qui a le pied sur la terre et sur l'eau, quoi. Donc, on ne sait pas où tu es situé. Ou encore comme l'église qui est tiède, quoi. On ne sait pas, soit tu es froid, soit tu es chaud, mais tu ne peux pas être tiède, quoi. Donc, un coup, tu es là. Ou encore celui qui prie maman et qui prie Dieu, quoi. On ne sait pas où tu es situé vraiment. Donc, ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'on ait un caractère. Le Saint-Esprit a un caractère. Il a des vertus qui l'accompagnent. Et si nous voulons devenir comme lui, nous devons revêtir ces vertus. Nous devons produire ces vertus afin que nous devenions comme lui. Maintenant, vraiment, ça, c'est tellement riche, c'est tellement puissant. J'aimerais qu'on lise deux écritures. D'accord. Et pour qu'on en conclue. Donc, vas-y pour nous au livre de... Vas-y pour nous au livre de Saint-Luc, chapitre 11, verset 13. Et il y a l'autre que tu avais déjà dit, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Il frappe à la porte. Luc 11, verset 13. 13. Parce que là maintenant, c'est comme si on, disons que si on clôturait, disons qu'il nous reste 5 minutes, et il y a un frère et sœur qui est quelque part, il ne sait donc pas, il dit ok, j'ai entendu, mon cœur est en train de chauffer, oh je ne sais plus ce que je dois faire, ok, j'ai entendu, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le Saint-Esprit, hallelujah to the Lamb of God, c'est où on en est. D'accord, nous allons lire. Verset 13, vas-y. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Un seul mot, demander. Alléluia. Vas-y. Oui, justement. Là aussi, nous voyons ici que quand nous manquons de grâce, quand nous manquons quelque chose, nous devons demander. C'est pas par nous-mêmes. Je l'ai dit que nul homme ne peut aller à Dieu que par Jésus si Dieu l'attire. Nul homme ne peut aller à Jésus si Dieu l'attire. Donc, nous, ce n'est pas non plus par nous-mêmes que nous avons le Saint-Esprit, mais c'est une grâce de Dieu. Et lorsque nous manquons quelque chose, c'est un don, je l'ai dit tout à l'heure que c'est un don de Dieu. Lorsque nous manquons aussi quelque chose, il faut le demander. Oui. Parce que lorsque je n'ai pas la force d'abandonner, parce que Paul dit aussi une chose, que c'est que son esprit veut faire, ce n'est pas ce qu'il, c'est les membres de son corps font. Donc, ce qu'il désire de faire, ce n'est pas ce qu'il fait. Donc, il manque de constance, il manque de force pour résister aux envies, aux désirs de la chair. Absolument. Mais s'il manque de constance, il doit le demander. Il faut demander.
Et c'est pour ça que cette parole nous dit que méchant comme vous êtes, si vous donnez des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui peut, ne pourra-t-il pas vous donner le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit viendra à ce moment-là comme une aide, comme une force supplémentaire. Et je voulais ajouter ceci, sans vous interrompre, je voulais ajouter que tu as parlé de grâce tout à l'heure. Dans le livre des Hébreux, pour ceux qui vont suivre la vidéo, dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 29, ça dit que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de grâce. Exact. Donc, c'était très important d'insérer ça. Que parce que Dieu, quand il envoie le Saint-Esprit, c'est avec la grâce, parce qu'on a eu l'humilité de demander, comme tu as dit. Donc, c'est vraiment important. Vas-y, continue. Et donc, voilà. Donc, il faut que nous puissions nous soumettre. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 7, 4. Il nous a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au mal et il fuira. Donc, allez, nous voyons qu'il faut se soumettre à Dieu. Et si nous nous soumettons à Dieu, l'Esprit de Dieu nous donnera la force de résister. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Parce que le diable est un esprit. Il faut que nous soyons, nous devenons aussi des esprits pour pouvoir vaincre l'esprit de diable. Si nous-mêmes, nous ne devenons pas esprits, comment allons-nous vaincre l'esprit de diable? Mais pour cela, nous avons besoin d'épouser le Saint-Esprit pour qu'il nous donne la force, pour qu'il nous donne la volonté, pour qu'il nous donne la capacité nécessaire pour résister au diable qui est la nature terrestre. Ok, donc voilà maintenant, c'était pour cela. Bon, maintenant, dans un seul un seul mot, pour que si quelqu'un qui va suivre cette vidéo, quelqu'un qui va entendre cette vidéo, qu'il sache que par la grâce de Dieu, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de devenir humble, de demander. Un enfant demande. Tu es un enfant, tu demandes. Et le papa est bon, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. Il est bon. Donc, il va donner l'esprit à ceux qui demandent. Et maintenant, alors, pour ceux-là qui ont encore les cœurs durs, donc tu as dit Apocalypse chapitre 3, dit que le Seigneur est dehors, il frappe à la porte. Vas-y, maman, vas-y. Alors, dans Apocalypse, justement, 3, verset 20, il nous est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, nous voyons ici, c'est justement le Seigneur frappe. Come on. Le Seigneur ne peut pas pénétrer dans le cœur de l'homme sans que l'homme lui-même ne lui ouvre la porte. Alléluia. C'est important de savoir. Le Seigneur frappe. Le Seigneur frappe comment? Le Seigneur peut frapper par les enseignements. Yes. Le Seigneur peut frapper par les conseils. Le Seigneur peut frapper par les songes. Le Seigneur peut frapper par l'évangile. Le Seigneur peut frapper aussi par l'appel. Tu ressens comme un désir. Dans la conscience. Qu'il faut que j'abandonne tout et que j'aille, comme j'ai pris l'exemple de moi-même, que j'aille maintenant vers lui, que je le serve, que je change de comportement, que je fasse. Donc, le Seigneur est en train de frapper, mais il ne faut pas endurcir son cœur. Alléluia. Il faut maintenant accepter que le Seigneur entre afin que nous puissions souper avec lui et lui avec moi. Si nous-mêmes ne nous ouvrons pas la porte, il ne peut pas aussi entrer. Amen. C'est là la difficulté. Il faut que notre conscience ouvre la porte. Il faut que notre esprit ouvre la porte pour que le Seigneur entre en nous. Parce que le Seigneur n'est pas visible. Le Seigneur est esprit. Comment nous allons nous lier? Parce qu'il faut que notre conscience épouse le Seigneur. Ce n'est pas l'homme physique qui épouse le Seigneur, mais c'est la conscience de l'homme qui épouse le Seigneur. Amen. Alors, pour épouser le Seigneur, il faut que nous soyons attentifs. Amen. Parce que si nous sommes dans l'égarement, dans l'incompréhension, nous n'allons même pas voir que nous avons été visités. Wow. La parole de Dieu nous dit que Jérusalem n'a pas su le temps qu'elle a été visitée par le Seigneur. Absolument. Et justement, parce que le Seigneur était en train de frapper, mais Jérusalem était tellement fermée qu'elle n'a pas connu le temps où elle a été visitée. C'est comme les hommes aussi.
comme notre conscience aussi. Lorsque nous sommes visités, si nous sommes dans la distraction, si nous sommes dans l'ignorance complète, nous ne pouvons pas savoir que nous sommes en train d'être visités. Le Seigneur est en train de frapper, le Seigneur est en train de nous visiter, le Seigneur est en train de nous parler, mais Alléluia. Nous ne nous rendons pas compte. Alléluia. Maman, que le Seigneur te bénisse. Ça c'était explosif. C'était, on dit ça en anglais, explosif. Et j'ai Amen. Vraiment, j'ai pris le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit qui va toucher les cœurs, qui va ouvrir les cœurs, qu'il vienne du nord au sud, de Pointe-Noire à Brazzaville, de Londres à Manchester, qu'il vienne de partout, du Cameroun à Yaoundé, qu'il vienne de partout, que le Saint-Esprit les amène à la maison. Donc, je suis vraiment content qu'on ait eu cette période. J'aimerais que tu pries. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Quand j'essaie d'ouvrir mon Facebook, ça fait qu'on répète la parole et ce n'est pas bien. Je n'ai pas eu le temps de voir s'il y a des questions, mais peut-être plus tard, on va regarder les commentaires et puis peut-être pourra répondre à certaines questions pour qu'il n'y ait pas de questions pas répondues. Parce qu'on est là pour aider. Vas-y. Justement, je voulais juste souligner un fait avant de prier oui. dans Éphésiens 4, hein, 11 à 13, parce Merci. Que la parole de Dieu nous dit qu'il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes. Tout ça, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Hein, Perfectionnement. Justement, nous parlons de la... perfectionnement. Et ce que j'aime bien au verset 13, c'est qu'il est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Tous. Ça, c'est de 1, l'unité de la foi, à la connaissance du Fils, hein, à l'état d'homme fait et à la stature parfaite de Christ. Donc, Alléluia. Il y a une progression jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est justement le perfectionnement. Yes. C'est ça le but de l'homme. L'homme doit connaître son but. Pour pouvoir comprendre son existence, il doit comprendre d'abord c'est le pourquoi de son existence et le but de cette existence. Il faut Alléluia. Qu'il comprenne que nous sommes comme à l'école, et dans le but d'atteindre le perfectionnement ou la stature parfaite de Christ. Donc, Amen. Tout ce ministère qui a été donné à l'homme a une fin. C'est pour ça qu'il est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus jusqu'à. À l'unité de la foi. Alléluia. Jusqu'à. Donc, à une fin. Donc, lorsque nous avons l'unité de la foi, il n'y a plus besoin de tous ces ministères-là parce que nous rentrons, nous devenons un seul corps. Il n'y aura Alléluia. Plus besoin, nous sommes le corps de Christ. Et nous avons la connaissance du Fils, hein, qui est aussi l'Esprit qui nous enseigne. Et nous avons aussi l'état d'homme fait. Lorsque nous sommes dans l'état d'homme fait, nous sommes un corps uni qui épouse maintenant le Christ, hein, qui est la stature parfaite de Christ. Donc, le dernier niveau, la perfection et la dimension de Christ. Alléluia. 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 Donc, voilà pour mon dernier mot. On peut demander au Saint-Esprit s'il veut qu'on refasse ça, parce que moi, ça, pour moi, ça, c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir ce dialogue pour le corps du Christ. Ça enrichit le corps du Christ. Je crois vraiment à ce dialogue. Et durant ce COVID-19, je me dis que tout concourt pour le bien, parce que je me dis que ça fait qu'on rechange notre tactique. Et là, maintenant, au lieu qu'on voyage, c'est bien de voyager, qu'on fasse tout ce qu'on peut, mais on peut toujours faire ça et puis développer et puis continuer, quoi. Donc, quand maintenant on voyage, tu reviens à Pointe-Noire, tu reviens en Angleterre, tu es d'abord. Là, maintenant, on peut prier pour les gens, on peut poser les mains, on peut faire tout ce qu'on peut faire. Mais rien ne peut nous arrêter parce que l'Église du Seigneur n'est pas fermée. Alléluia. L'Église du Seigneur est allumée 24 heures sur 24. Donc, s'il y a des questions, on va essayer de répondre. Cette vidéo sera enregistrée. L'enregistrement va ressortir. Je mets ça dans le YouTube qu'on appelle Gospel Rock TV. Gospel Rock TV, c'est Gospel, Bonne Nouvelle, Rock, Jésus-Christ, c'est le rocher. Moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Voilà. Et c'est le pasteur Blanche Falex. Donc, je mettrai ça aussi sur ma chaîne YouTube. Absolument. Donc, je vais t'envoyer la vidéo. Et tu m'as page sur mon Facebook. Absolument. Donc, c'est ça. Ah, donc, c'est déjà sur ma page et sur mon Facebook.
Moi, absolument. Donc, s'il C'est te mon plaît. assistante Chanel qui l'a déjà fait. Oui, dis à Chanel, si ça lui plaît, que toutes les questions qu'il y a eues, qu'elle essaie D'accord. de les amener pour qu'on réponde, OK? Bon, OK. moi, je dois faire un enseignement à 8h30, donc dans 20 minutes. Donc, allez, le Seigneur t'a utilisé pour bien me préparer. Je serai excité tout à l'heure après cette phrase. Amen, Allez, amen. Allez, vas-y. D'accord, on va prier pour Allez. clôturer. Alléluia. Gloire et honneur à toi pour ce moment, Seigneur, que nous avons passé dans ta présence. Merci pour avoir utilisé également ton fils, l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Bilibi. Alors, je te bénis que tous ceux qui vont nous suivre et qui nous suivront encore, Seigneur, ou qui nous ont suivis, que tu puisses encore ouvrir leur esprit afin qu'ils s'attachent à toi et deviennent un seul même esprit. Gloire et honneur à toi pour tout. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. À très bientôt. Je t'appelle. Merci à toi. À très OK. bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye.